مرحبا بكم في بلا فاس. ضيفي اليوم كيف عمل لي زيتود سوبيريور نتاعو قرا حاجة تنجم تكون بعيدة ياسر على اللي يعمل فيه اليوم. اي تي مهندس اعلامية، اما من الانفورماتيك للمود القاثنيتو باش يشد بلاصتو في عالم الفاشن. ويمكن الثنية هذه اللي ما كانتش نورمال، اللي كانت اتيبيك، هي اللي خلت تكون عنده اوفرتور والانسبيراسيون نتاعو تنجم تجي من برشا حاجات تتخلق في اي لحظة، من اي حاجة، من اي دومين، من اي ماتير، كيما من الاركيتكتور، كيما من ناتور. هادي بن ميمي اي كي اي بن ما هو ضيفي اليوم في بيلي فاس. عسلامة هادي. عسلامة، ميرسي دو مافوار انفيتي. Ça va? Ça va, très bien. Et j'en ai déjà, on a dit justement على le parcours. Mais avant de parler du parcours, à l'informatique ou comment je suis allée dans le mode, avant de parler certainement, je suis allée dans le mode, mais je n'étais pas par hasard. Exactement. Femme en background, femme en hâge, avant de parler du milieu peut-être, un petit peu de trolley. Parfaitement. En fait, il y a eu tout un acheminement. Au début, ça a commencé plutôt par la peinture. Je suis toujours passionné par la peinture. Ou c'était pas poussé. Voilà, j'ai toujours dessiné. Je dessinais toujours et ça me posait des problèmes parfois. D'accord. Ouais. Partout, à Touéoul, d'accord. Peu importe le support, donc ça voilà. Et après, ça a commencé à s'affiner. Et j'ai pris des cours de peinture, sciences culturelles italiennes, français. Et donc, Wallet, plutôt de la peinture à l'huile, de l'acrylique. Des matières. D'accord. Et donc, ça a commencé comme ça. Après, petit à petit, ma focus à les silhouettes et à les textures. Parce qu'en peinture, pour faire ressortir des... Je sais pas, par exemple, des tissus transparents ou à la fluide, voilà, il y a tout un travail et il y a une subtilité. C'est pas évident. Certainement. Et j'aimais beaucoup justement travailler sur ça. Ouais. Et ça a commencé, man radika, lqit rouhi nsawr fi des ce qu'on appelle des fashion illustrations, que j'appelais pas encore comme ça. D'accord. Mais je me suis retrouvé en train de dessiner vraiment des croquis de mode. Mais c'était plutôt avec des vêtements historiques. Parce que je suis aussi passionné d'histoire. D'accord. Donc, Kolmara, je me passionne pour une civilisation bien déterminée. Au nord, on a une arme d'immersion. Tu as lu beaucoup, j'imagine. D'accord. Je passais beaucoup de temps dans une autre époque, justement. Et je traversais des époques grâce à ça, justement. Grâce à la peinture et grâce à cette passion de l'histoire. D'accord. Des auteurs qui t'ont inspiré, des livres en particulier, des films, je ne sais pas. Des films, oui, il y en a plusieurs. Il doit en avoir plein, je suppose. Des séries aussi. D'ailleurs, je suis en train de revoir une série qui est assez ancienne, 2005, Rome. D'accord. Où j'ai justement l'événement dans lequel j'ai participé, les facettes de Doga. Donc j'étais plein dedans, tu vois. J'étais dans le mood. D'ailleurs, je vous conseille, tu as sur la page de Creative Tunisie, tu as les créations de Hedi, facette de Doga, oui, c'est inspiré d'un lieu magique. Justement, tu as dit que tu as l'histoire. J'ai des souvenirs à Doga parce que j'y suis allé quand j'avais 9 ans. Et je sais que je me souviens que j'étais émerveillé. Cet endroit, il est magique. Ouais. Donc, j'ai vu le site, j'étais toujours émerveillé, mais j'avais une autre vision en fait. Tu vois de la vision. Ouais. Qui fait Sharkili? On dirait pas exactement le même endroit. C'est peut-être moi, Zada, qui a mûri. Qui s'est enrichi à travers le temps, culturellement, je veux dire. Oui, je suis allé voir le site. Le site, le site, le site, le site, le site, le site, patrimoine mondial de l'UNESCO. Bien conservé, il y a des monuments, mais il y a des monuments. ويزور لي فيه القبر الفينيقي الوحيد في تونس يزور لي ولا البونيقي الوحيد مش نقولش حاجه غلط بونيقي الوحيد اللي مازال قايم في تونس
معناها برشا حضارات تتعداهم من غادي. Voilà. دونك كي تدخل غادي تدخل في ايبوك اخرى تعيش. Exactement, ouais. Même, j'adresse beaucoup d'importance au côté spirituel. Le bokha qui t'entre là, c'est une transformation. Tu es transporté dans une autre ère. Alors. Ouais. On dirait Tajabut Tweli, c'est un voyage dans le temps. Ouais. Ouais. C'est ce que j'ai ressenti cette fois-ci. Oui, tu nous rejoues les créations. D'ailleurs, voilà. Et les matières, les stamal, tu as un thème, le cadre, ta facette de Doga. Donc, la peinture, le kraya, le cinéma, mais. L'architecture aussi. L'architecture, ouais. Même si tu as mal d'informatique quand même. Ah, mais en mal d'informatique. Non, c'était le truc classique enfin tout le monde j'ai eu un bon score fait le bac j'ai fait ingénierie d'accord c'était tout simplement ça voilà ouais c'était pas aussi mal que ça non plus l'informatique l'ingénierie quoi ce parcours là pas du tout parce que ça m'a beaucoup forgé. J'ai aussi, Hataltawa, et ça ne va pas changer, j'ai un raisonnement d'ingénieur en quelque sorte, même en travaillant dans la mode. Ah bon? Je fonctionne comme un ingénieur. D'accord. Ouais. Sur terrain, je suis un peu carré. J'ai, y a tout un raisonnement, tout un enchaînement. L'IGE mon radic, comme le background est décalé. D'accord. De toute façon, l'informatique, on parle d'intelligence artificielle et école, on a le fait de la. Exactement. Et c'est un domaine qui touche à tout. Il y a des gens qui sont là, donc on a des gens qui sont là. Je ne sais pas si tu as un secteur qui est le secteur qui est le secteur. En fait, tous les secteurs sont là. Et justement, l'intelligence artificielle, elle a révolutionné tout ça. D'accord. Donc, مشيت donc comme قلت انت خديت الدبلوم تاعك والباركور هذاك عاونك. مي جيت معناتها هكا جاي ان ديكليك جيت حاجه نتاع لا توا باش نمشي نعمل فاشن توا باش نمشي. اش تكسبليك ان بو ان فيت صار ذا ان بروسيس هكا. مي جيت في صافي صا ان فيت. داكور. يا لي توت ان انشينمون على اعوام معناتها. En fait, قبل وقت اللي كنت في البريب جي في لي 2 اني دو بريباراتوار. Ou fait le prépa, on a appris les Chinois les créateurs de mode. Ah bon? Ah oui. Donc, on a appris faire ta lebekri. Fait le prépa, justement, je dessinais des collections déjà, avec des thématiques bien précises ou avec des recherches ou colchet. Ah, quand même. Ani mabine série de maths. Ou juste à côté, il y a un carnet avec des croquis, avec des robes un peu partout. الدنيا قائمه على لي نومبر وعلى الماتيماتيك زيد كيف كيف واه دونك الكل مربوط ببعضه فينالمون يعني الباك جراوند نتاعك تبارك الله معناها فيه برشا حاجات واه فوالا دونك بديت تصور واش ديسيني دي كوليكسيون من بعد دونك كملت البريبا نتاعي جي في اون ايكول دانجينيور ووقت اللي انا نقرا في ليكول دوزيام C'est la quatrième année, j'ai bossé pour un créateur de mode, Tounsi, qui a déjà fait ses pas, où il habillait déjà Fikan. Il est déjà Mtsamir, c'était Ali. Ali Karoui, d'accord. Ouais. Et ça a commencé comme ça, en fait. C'était mon premier pas dans ce monde-là. D'accord. Et Men Radika, j'ai eu l'idée de. D'intégrer une école ou voilà un centre de formation voilà mais c'était pour apprendre pour vraiment parfaire ma formation parce que j'étais autodidacte même en travaillant donc en tant que styliste j'étais autodidacte et je voulais apprendre le modélisme je voulais m'approfondir acteur et pour maîtriser ce que je fais j'ai suivi une formation et donc c'est grâce à ça que j'ai su comment créer un vêtement, comment concevoir un vêtement, les étapes, les mtaradabiyom, bien sûr. Les bases. Donc, tralt l'alm le mode, tralt l'alm le fashion, donc le bib le kbir finalement le marahidi. Et les inspirations de tak fin telqahom, معناتها le background li عندك الكل يعني باش تخلق collection. En ce qui s'agit de mes inspirations, il y a une trinité en fait. C'est soit la nature,
ça peut être un seul élément naturel, parce que je travaille un peu sur le minimalisme tout en travaillant sur les détails. Donc ça peut être un élément naturel, ça peut être le feu par exemple. Le feu peut m'inspirer. L'eau aussi, mathalan, kif-kif. Mais je peux aussi m'inspirer de l'architecture, d'éléments architecturaux. Mathalan, ma première collection était inspirée de l'architecture vernaculaire de Tajerba. Donc les voûtes, les courbes, mais aussi la couleur. La couleur, le gir, le chaud, m'a beaucoup touché en fait. Enfin, il y avait quelque chose qui se dégageait, mais qu'elle formait, et ça m'a poussé à créer ma première collection. C'était en 2019 d'ailleurs. Puriste, choix le style, non? C'était très pur. Toute la collection était blanche. Blanche avec des touches de bleu et de jaune. Ou Radika Zeda, la collection Hedika, j'ai commencé à introduire ma matière phare, les fibres végétales, saf. J'ai commencé à travailler les premières pièces dans cette collection. Sinon, je peux aussi m'inspirer d'histoire. J'aime bien mixer en fait entre plusieurs civilisations. Et c'est ce que je fais pratiquement dans toutes mes collections. Il y a toujours une influence carthaginoise, punique, romaine aussi. Mais il y a un côté très contemporain. Parce que je m'inspire beaucoup de l'art contemporain. Il y a des lignes très rigoureuses. Je travaille aussi sur le color block. Mais à ma manière, quoi. Bien sûr, ouais, bien sûr, l'empreinte, le style, la matière. La question, en étant créateur de mode, fitounes, شوية ليكوسيستيم قبيلة في الأوف قلت لي ما فماش ايكوسيستيم واضح اليوم كنت نتلوج على دي شيفر وين المود في ليكونومي وين نلقاو في بلدان فما ان شيفر دو لاندستري دو لوكس اي دو لا مود اليوم في تونس وين لا مود سلون هيدي معناها Ouais. Et là, je trouve que l'écosystème Tawa, il est en train de se créer. Il n'y avait pas d'écosystème. C'est un secteur lié Amrou Mekin importance fitounes, évidemment. Tawa, c'est en train de bouillonner parce que je trouve qu'il y a beaucoup de talent. Même pour la Gen Z. Enfin, mais ça bouillonne, quoi. Et donc, c'est avec cette génération-là et même avec ma génération que c'est en train de. Enfin, ma haja qada tkhlaq, en fait. نتصورهم الجينيراسيون هذيك باش تكون يكون عندها اوفرتور اكثر على Ils sont beaucoup, beaucoup على plus ouverts. C'est aussi grâce aux réseaux sociaux. اي فوالا المونديالياسيون C'est la الجلوباليزاسيون mondialisation. هي اللي باش تخلق فما برشا عباد تخاف كي تقول لهم مونديالياسيون يخافوا على ليدونتيتي C'est le côté insecure, Zedata, mais non, on peut être ouvert et ne pas succomber au capitalisme non plus. Être enraciné, quoi. لي معناها هي ليدونتيتي بيدها تنجم تتطور معناها مش Voilà. لازم تقعد فيجي يعني Exactement. je pense que c'est ça d'accord Parce que je pense qu'on confond souvent entre tradition et folklore et le fait de travailler sur le savoir-faire, بالضبط sur des matières locales. Enfin, je pense pas faire en fait. Ça m'a فما فرق Enfin, ma كبير farc bir فما فرق plutôt, je كبير veux dire. اي Avec le patrimoine, il existe et il existera toujours. Ou femme chermio, mais il y a un autre côté de recherche et développement. Là, je me compte fille l'inspiration, le patrimoine, ok, mais ça n'a pas de limite. Ça peut évoluer. فما سافوار فير لازم نحافظوا عليه اما نجمو نطوروه Voilà, معناها le savoir-faire, هذاك هو بيدو تنجم تستعملو في برشا حاجات. En fait, ما تحصروش في les vêtements traditionnels, voilà, non. Et le même savoir-faire, تنجم بعد في des pièces qui sont assez contemporaines, et c'est ce que je fais d'ailleurs moi. Ma tfiqch bih,
parce que c'est tellement subtil, laisse-moi vraiment ثبت ou tu fais très attention aux détails ou quoi, je te fais technique utiliser. D'accord. Le process نتاع الخلق نتاع الكرياسيون نتاعك معناها حاجة كي تنسبير قلت انت النار الماء معرفش انا جامع في جربة معناها Voilà. اي حاجة مي بعد كيفاش الماتيغ منين تجيبها مع شكون تتعامل حكيت على الفيبر فيجيتال فما دي ماتيغ اخرين Bien sûr. سيغتينمون من هوني من تونس الماتيغ بروميير فما حاجة تجي من برا احكي لي على البروسيس هذيك معناها Le sourcing que je fais à Ifitounes, donc, j'utilise beaucoup des matières récupérées. N'stambach les chutes d'usine aussi. C'est ce qui fait aussi que les tissus, les métrages que j'ai, m'hamch barcha. Et ça fait aussi la ra rareté des pièces. Oui, ça c'est Donc, vrai. malheureusement, des séries, c'est pas un nombre, c'est dû à ça justement. Et j'utilise aussi des tissus faits localement, tissés Fitouns. Bon, Fitouns, une filature tunisienne, mais par contre, il y a encore des tisserands, justement, éparpillés un peu partout. Donc, je bosse un peu. J'ai quelques tissus que j'utilise, les houallan ou le haïk, les houma tissés Fitouns. D'accord. Voilà. معناتها نلقى برشا كي نحكي مع معناتها دي كرياتور دي ديزاينر عن فما برشا بوان كومون ديما فما رجوع معناها غوتور او سورس و الماتيير اللي موجودة عندنا معناها اللي نخدموها في تونس اي سا سي بيان معناتها فما شين كاملة يعني الكرياتور كي يخدم مش وحده Voilà. يخدم معاها ارتيزان يخدم معاها برشا عبيد اخرين معناها Et ça fait vivre aussi les artisans. Bon, période l'artisanat, c'est pas facile pour eux. Bon, pour tous les secteurs, mais donc au contraire, maintenant mieux vaut faire travailler les artisans parce que ça leur permet d'évoluer ou le fait qu'ils travaillent avec un créateur, Bien sûr, parce qu'ils sont un peu cantonnés, faites technique, avec Al-Erdima ou Kolchei, mais tu peux leur apporter, à part les tradamants, bon, ça c'est évident, mais les faire évoluer, quoi. Oui, il y Ouais. a un tabac, Enfin, un il échange, y a un ouais. échange, ça va dans les deux sens. Ouais. Donc, هكا اللي يسمع توا هادي بن ميم يحكي على روحه وينجم يتخيل معناها فما اون امبرانت فما اون بيرسوناليتي فما ينجم يتخيل لي كرياسيون ما نعرفش سؤال معناتها اليوم كي تشوف ديفيلي دو مود تقول يا دو تري بيل بيس Oui. اما ماهمش اكسيسيبل للناس الكل مش نحكي على الكو اكا راهو نحكي على الكو نحكي على شكون ينجم يلبس اون كرياسيون تاع هادي بن ميمي هوني نحكي حتى على ستيل D'accord. معناها انا ان طونك فام اي مراه اليوم تنجم تلبس كيل كو سوا سا تاي كيل كو سوا تو فوا L'âge, معناتها la وين نحب taille. نوصل Ouais. Justement, et je suis en train de travailler sur ça. Et même les collaborations que je fais, même dernièrement, sont très variées. Avec des personnes qui ont des morphologies très différentes. J'ai notamment collaboré avec, je peux citer le nom, les noms, voilà. Emeni Oui, bien sûr. Seibi. C'est un man, c'est un model d'origine tunisienne qui bosse un peu partout à Dubaï, à Paris, et je l'ai habillé pour la Fashion Week de Paris. Donc cette collaboration-là montre justement que Benma, ce n'est pas que pour les personnes minces, voilà, non, non, pas du tout. Je lui ai même préparé un corset, justement, Bessaf, pour dire aux gens que non, vous pouvez, tout le monde peut porter ça. باهي كان نخرجوا من المول شوية نتاع لا تاي 34 Bah, 180 exactement, ouais. ouais Pour l'âge, maintenant, il n'y a pas vraiment d'âge particulier. J'ai habillé aussi Dora Bouchoucha, par exemple, pour le festival de Cannes. oui Donc, j'essaie de varier les profils, en fait. D'accord, voilà, ma Ouais. femme est un profil de femme Voilà, voilà. C'est plutôt, moyenne, ce qui importe pour moi, c'est plutôt l'aura de la personne. C'est la D'accord. première chose qui me captive, D'accord. Ouais. Donc, quelque type de personnalité, finalement, je te saurais là spécialement les Voilà. Ok.
Même le vêtement s'adapte à la personne qui va le porter. Mais quitte la collection dans l'absolu. J'essaie de varier, même dans une collection. Alors, y a des pièces qui sont très recherchées ou assez spéciales, on va dire, mais il y a des pièces qui sont vraiment très faciles à mettre. C'est du easy to wear. D'accord. Accessible pour Michel, je ne sais le choix, ma question d'ordre financier, Ouais, accessible vas-y. pour tous les porte-monnaies où elle allait. Tu as le droit de dire les. Je pense que non, non. Voilà. Ouais. D'accord. Pour clore, après avoir dressé le portrait de Hedi Benoemi, quelles sont les difficultés d'y avoir un styliste en Tunis? Ou qu'est-ce que tu t'attends l'avenir de la mode? Les sar fi dogga, face de dogga, tu as quitté les hajabi, c'est sur le même podium, Niscol a tardé effervescence, Salah Barca qui dirigeait Voilà. un peu tout le monde, Niscol a les gomtéha de côté, a le brand de côté, ou Niscol khadmet ma baadha, C'est vraiment un travail d'équipe. femme solidarité Ouais. kbira, donc. L'avenir, Niscol pour combler peut-être les lacunes, les difficultés, les Ça crée lacunes. toute une dynamique, le fait, les larbes de colle malmouma sur un seul projet, pour un seul objectif. C'est très important, ça, oui. Sinon, les contraintes, certainement, il y en a. Par rapport au sourcing, il y a des contraintes. Kima, On ne trouve pas toutes les matières qu'on veut. On doit faire avec ce qu'on a. Mathalan, se débrouiller. Je ne sais pas, par exemple, on n'a pas des... Ou imprimer nos tissus. Mathalan, Ah c'est un oui. exemple, ça. Il n'y a pas ça. Soit tu imprimes, Mathalan, je sais pas, à 1000 mètres. Or, je ne fais pas partie de la fast fashion. Ouais, là, tu n'imprimes pas. Je D'accord. parle d'impression intégrale sur tout le tissu. On n'a pas ça. Oui, Alors que le Bara, non, tu peux trouver ça partout. نحكيو على الاندستري دو لوكس هوني مش نتاع كيما قلت انت Voilà. معناها مش البري تاع بورتي اللي يتباع ا غراند ايشيل دونك Voilà, voilà. Ouais. اليوم دونك ناقص على الانفراستركتور تاع Il ça n'y a pas vraiment ما d'infrastructure, فماش Mata. كاريمون Ouais. d'accord. Sinon, j'avoue que Zeda, le marché tunisien, il est assez restreint. Mahouche, marché Kbir Barcha. Mata, une marque qui évolue normalement, maintenant, Najamch, Torad Marsoura Ken sur le marché tunisien. Bien Ça, c'est sûr. notre contrainte. Donc, T'as pas de difficulté il pour le faut rouge vraiment barra. s'ouvrir. Et pour s'ouvrir, femme a plusieurs critères. Il y a plusieurs cases qu'il faut cocher. Et il faut vraiment travailler. C'est beaucoup de travail, ça aussi. En tout cas, اللي قاعدين نشوفوا فيه وباقي نعاود نرجع لاخر ايفينمون شفنا حاجات مزيانه شفنا ان سيكتور اللي قاعد فيه كما قلت لك كاين ايفوليسيون ايفيرفيسونس واللي فيها ان افنير دونك فرحانه برشا اللي جيت بحضيه في بيلي فاس هيدي حطينا بنيامين ميرسي بوكو ميرسي ديت باسي كانت هيدي بيلي فاس نتقابل